Avant toute chose, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, puis à cliquer sur la cloche et cocher m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne, puis enregistrer pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo vient d'arriver. Et merci et peace! Allez, salut tout le monde, c'est Rentisha, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai vraiment super et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de ma toute nouvelle série sur The Legend of Zelda, Twilight Princess HD. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai vraiment super et on se retrouve aujourd'hui pour The Legend of Zelda, Twilight Princess version HD sur Wii U. Le jeu sorti en premièrement sur Wii et GameCube d'affilée le 2 décembre 2006. C'est un jeu genre action-aventure et remasterisé 10 ans plus tard, version Wii U, le 4 mars 2016. Et donc écoutez, c'est parti, on se retrouve pour le 100% de The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Alors, je tiens à vous préciser une petite chose avant de commencer. Il y a une caverne, je vais pas dire quoi, il y a une caverne que je referai deux fois devant vous, bien entendu. Pour les gens qui ne sauraient pas, il y a une caverne dans le jeu où que je ferai deux fois. Et d'ailleurs, ça commence à me casser les pieds parce que j'arrive pas, ça me tire sur le casque. Bref, voilà, je regarde si ça filme bien, si je recorde bien, si j'ai bien ma voix. Voilà. Et écoutez, c'est parti. Ah là là, on se retrouve enfin pour The Legend of Zelda Twilight Princess. Oh là là, ce jeu. Je vais vous dire, c'est mon jeu Zelda favori. Pourquoi ça? Parce que c'est vraiment un Zelda qui mérite tout simplement son succès. C'est un Zelda qui, ouais, tout simplement mérite d'être mis en avant et d'être fait sur ma chaîne YouTube. Et donc, au cas où, alors, je tiens à vous préciser qu'il y aura plusieurs catégories. Elle, c'est la catégorie normale, 100%. Il y aura une future catégorie qui sera avec le Ganondorf Challenge, 100% en mode normal. Il y aura une catégorie 3 coeurs en mode normal. Il y aura une catégorie 3 coeurs avec le Ganondorf Challenge en normal. Après, il y aura le mode héros en mode normal. Il y aura le mode héros, donc et le mode normal à 100%. Il y aura le mode héros à 100%. Ganondorf Challenge. Il y aura aussi le mode héros 3 coeurs challenge normal, et puis il y aura le mode héros 3 coeurs challenge Ganondorf challenge. Voilà, j'espère que je vous ai fait une petite reconstitution des faits. Et donc écoutez, on va s'attaquer au jeu. Donc comme vous avez pu voir, appuyez sur le bouton start pile au moment où il y a les cinématiques. Ah oui, merde, c'est vrai qu'on va avoir des échos. Je préfère faire ça parce que, enfin, limite, je vais utiliser que le casque vu que maintenant on n'entend plus mes voix et tout à répétition à cause de ce logiciel de merde. Je vous le dis clairement, c'est pour vous prouver que je ne fais pas du placement de produit. Mais bon, écoutez, on va sélectionner Wii U Gamepad. Ouais, tout simplement. Je vais juste, pour ma part, monter un brin le son. Pour vous, c'était rapide. Voilà, 41. Et écoutez, nouveau journal. Donc, alors, comment je vais l'appeler? Est-ce que je laisse Link? Il y a des youtubeurs allemands qui mettent carrément leur vrai truc. Non, vous savez quoi? Moi, je vais mettre Rentishai. Parce que pour moi, il faut que ça soit réel, quoi. R A I N Tai Rentishai. Est-ce que ça va rentrer ou pas? S. Ah, je pense pas que ça va rentrer. Non, ça va pas rentrer parce qu'il y a que deux caractères. Ah mince, ça va pas rentrer. Vous savez quoi, je vais laisser Link. Donc, je vais faire ça. Fin.
Et hop, et on va l'appeler par contre, lui, elle, Rarity. Je pense que vous connaissez déjà la référence. Voilà. Rarity. Alors, ça prend un Y ou pas, Rarity? Alors là, je ne sais plus du tout. Normalement, oui, je crois bien, mais bon. MLP Rarity, parfait. I Rarity, parfait. Fin. Commencer une partie en mode normal. Oui, donc à 100% bien entendu. Je referai le jeu peut-être une ou deux années plus tard. Je laisserai peut-être une pause de 1 ou 2 ans pour chaque let's play. Et écoutez, on va commencer à jouer à bout de 5 minutes de vidéo. C'est pas mal. Oh là là, il est magnifique ce jeu. Il est magnifique, rien à dire. Je me sens toujours mélancolique lorsque le crépuscule arrive. Pas toi? On dit que c'est le seul moment où l'au-delà et notre monde se recoupent. Ah, ça a sonné les amis. Bon, attendez, je reviens. Me revoilà, donc oui, normalement ça devrait remarcher. Je dis bien me remarcher. Voilà, écoutez, c'était juste le téléphone. Voilà, ça, je vois que ça filme bien, parfait. Bon, je refais, je sais pas où on était arrêté, mais bon, bref, là le clavier va tomber, c'est une violence phénoménale. Bref. Le seul moment où l'on ressent l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière. C'est de là que vient cette solitude, ce désespoir qui nous déchire le cœur entre chien et loup. Link, j'ai une faveur à te demander. Après-demain, je dois partir pour Hyrule remettre un objet à la famille royale. Le chef du village m'a désigné pour cette mission, mais tu ne voudrais pas y aller à ma place ? Dis-moi, tu n'es jamais allé à Hyrule, n'est-ce pas? Le château du royaume d'Hyrule est magnifique. Et la citadelle à ses pieds est beaucoup plus vaste que notre village. En ce monde créé par les déesses, l'est encore plus. Tu devras découvrir toutes ces choses par toi-même. Nous ferions bien de rentrer au village. Je vais tout expliquer à Bodan. Ah, cette musique qui s'annonce le début de let's play, c'est pas mal. Je vous laisse apprécier. Thank you.
C'est bien, on est à 10 minutes de vidéo, on n'a même pas commencé le jeu. Eh oh, Link! Tu es là? Désolé de te déranger, mais tu veux bien me donner un coup de main pour entrer les chèvres? Ces derniers temps, elles font comme si j'étais pas là. Oh! Hein? Où est Rarity? Ah, nous voici enfin dans le jeu, les amis. Voilà comment le jeu est fait. Le jeu est magnifique. Nous voilà pour The Legend of Zelda. Twilight Princess. Oh yeah. Oh, je suis vraiment content, les amis, pour se retrouver pour ce premier épisode de The Legend of Zelda Twilight Princess. Alors, je vais d'abord faire un truc. Donc, là, comme vous avez pu le constater, le seul menu et tout. Je vais option. Vibration, oui. Gyroscope, nope. Luminosité plus basse. Visée, commande, verrouillage. Contrôle caméra. Dis-moi que c'est bon. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Voilà, c'est mieux, largement. Donc écoutez, on va commencer. Donc, comme vous avez pu le constater, voilà le gameplay. Le gameplay, il est vraiment pas mal, hein, facile pour la maniabilité, regardez. La maniabilité, elle est très facile. On peut tourner, on peut avancer. Il n'y a pas de... Voilà, quoi. Tout simplement, c'est assez facile d'entrer. Voilà, le premier rubis du jeu. Regardez bien. Ah mince. Je rêve, pourtant j'ai désactivé le gyroscope, non? Putain, j'ai désactivé le gyroscope. Non, je me suis trompé. Pourtant, j'ai désactivé, je t'ai dit non. Bon, bref, c'était bizarre. Eh ben, écoutez. Voilà, nous revoilà là. Donc, on va lui parler à lui. Viens vite et amène Rarity avec toi. D'accord. Link. Ok, il n'y a rien à faire. Alors oui, dans ce jeu, les rubis sont assez importants, donc je vais essayer de pas passer à côté. Alors, au cas où, je récupérerai tous les rubis secrets du jeu. Donc tous les rubis qui ne repopent pas en fait. Et je récupérerai également tous les, alors tous les, donc tout ce qu'il y a dans le jeu, donc tous les coffres à rubis, tous les quarts de cœur, tous les, oui, tout ce qu'il y a tout simplement dans le jeu, parce que je sais pas si vous, dès que je vais dans le menu, regardez bien ce qu'il y a à droite. Voilà, le quart de les fragments de cœur. Et la bourse. Votre bourse préférée que vous avez depuis tout petit. Elle peut contenir 500 rubis. Au cas où, c'est une amélioration parce que avant, elle ne pouvait pas contenir 500 rubis. En fait, pour faire court, en fait, avant, elle pouvait contenir que 300 rubis. Ça a été amélioré, donc maintenant, elle peut permettre de contenir beaucoup plus de rubis actuellement. Donc, au cas où, il y a... alors, ça, je pense que je le ferai un mini-jeu bonus. Parce que... Non, non, même pas, non, c'est pas dans cette version, j'ai rien dit. C'est pas dans cette version. Non, c'est bon, je n'ai rien dit. Mais, ah non, non, ça, c'est pas dans cette version. Parce que j'allais dire, il y a un mini-jeu où il faut avoir 30 points pour un truc. Mais le truc, j'ai pas envie de... Ouais, tout simplement, j'ai pas envie d'attendre pour avoir les 30 points. Donc, évidemment, alors, quelle est la différence du mode normal et héros? En fait, le mode normal, tout simplement, tout est inversé. Un mode normal, je vais par là. Un mode héros, j'irai par là-bas. En mode après les cœurs sont beaucoup plus enfin dès qu'un ennemi m'attaque c'est beaucoup plus chaud et donc voilà tout simplement. Et écoutez, on va directement s'empresser à aller directement voir la fille. Donc c'est parti. Rarity travaille dur, elle mérite de se faire dolorter de temps en temps. Dis Link, je peux te demander un service? Tu veux bien le cueillir l'une de ces plantes? Et si c'est un air pour Arty, elle adore ça. Ok. Oh, il y a une petite cinématique. Ah là là, elles sont très très belles ces cinématiques. Regardez bien. Wow, c'est le jeu. En plus, vu comme je l'ai mis... Ouais.
C'est un côté jeune, je trouve. Et ça, c'est quand même pas mal. Je trouve que sur la rendu, ça va mieux que dans le jeu, réellement. Oh, Link? Rarity est prête. Je l'ai brossée et étrillée pour toi. Ça me rappelait une scène de la scène dans le Let's Play d'Irissa. Irissa, ouais. Non, mon Dieu. Bah écoutez, on va cueillir l'une de ces plantes. Voilà. C'est une belle mélodie. Regarde Rarity. Elle a l'air contente. C'est bon, je l'ai faite toute belle. Si tu veux me la ramener, vas-y. Mais ne la fatigue pas trop, d'accord? Y a pas de souci. Donc écoutez. Alors, en plus, il y a une chose qui a été améliorée. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien quand je vais monter. Alors, je crois qu'il y a une aille. Enfin, vous voyez, je crois que ça s'appelle des accrochages. Ou des rouages, je crois, un truc comme ça. Bref, vous voyez en bas, il y a 6 trucs. Alors, dans l'époque, je crois qu'il y en avait 5. Hein. Et aussi, chose qui est pas mal, c'est qu'il y a une maniabilité encore beaucoup plus souple. Par exemple, c'est beaucoup moins. On va dire, beaucoup moins. Chiant à contrôler, on va dire. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce qu'avant, c'était assez chiant. Regardez bien. C'est assez facile à contrôler. Et voilà. En fait, vraiment, avec à peine un coup, simplement, ça vous permet de la contrôler. Et regardez bien. Je vais tout simplement vous montrer. Ah merde. Bah, je vous montrerai de toute façon, ne vous inquiétez pas. Regardez bien. Vous avez vu la classe? Ah ben, regardez, je pense que je vais m'arrêter. Regardez bien, je pense que pour l'épisode, ah non, pour l'épisode j'ai envie de mettre une cinématique pour que ça marque le coup. Je sais pas. Bah si, en cas je prends un petit truc, attendez. Ah déjà j'aurai la capture de l'épisode. Voilà, écoutez, on va y aller. Voilà. Quoi dire, dans 3 minutes on devra s'arrêter. Bref. Écoutez. Ouais, écoutez, on va parler un peu à tout le monde. Regarde, j'aime beaucoup explorer, mais je veux dire que pour vous c'est peut-être pas ennuyant. C'est peut-être ennuyant. Non, pour moi je fais le jeu comme ça, écoutez. Moi je ferai toujours le jeu comme ça et puis voilà. Ah tiens, Link, tu vas à la bergerie? Je fermais justement le magasin. Ces derniers temps, il y a un singe qui entre dans le village et qui s'amuse à nos dépens. Alors, je prends mes précautions. Il ne manquait plus que l'on se fasse voler de la marchandise. Là, ça serait la catastrophe. Si on ne ferme pas la porte comme il faut. Et je ne peux pas compter sur mon bonarien de mari. Oui, papa, tu n'arrives même pas à attraper un singe. Eh ben, non. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te retenir. Allez, va travailler. D'accord. Viens acheter quelque chose au magasin de temps en temps, d'accord? Alors Link, bon courage à toi. Sois prudent. Viens acheter, bon ça on l'a lu. Parfait. Eh ben écoutez, on va tout simplement garer la jument ici, je pense. On va peut-être pas la mettre au milieu du chemin quand même. Voilà, on va la mettre ici. Faut éviter que ça dérange tout le monde. Parfait. Et on va aller explorer un petit peu. Donc déjà on a le magasin à explorer déjà. Enfin non, vu qu'elle a fermé, mince. Le chat Farnum. Chez nous, vous trouvez tout. Ah, j'aimerais bien. Là, cette porte est fermée à clé. Le fail. Bah écoutez. Le fail. Parfait. On va prendre le petit rugby. Oh, pas mal. Allez, hop. Il y a pas mal de rugby, hein, comme vous avez pu le constater. Deux, peut-être en troisième. Parfait. Un
un petit rugby. Un petit rugby. Donc écoutez, on va entrer dans la maison. Jaga, Pia, Fenir et Balder. D'accord. Ah oui, au cas où je suis quelqu'un qui explore beaucoup dans les jeux, cette porte est fermée à clé. Donc en fait, j'aurai l'habitude de lire pas mal les dialogues. Donc écoutez, ça rallonge la durée du let's play. Hein. Hein, ça rallonge la durée du let's play. Hop, et écoutez, on va pas tarder à s'arrêter. Je pense qu'on va visiter juste... ouais, on va un peu tout visiter, tout simplement. Ouais, on va juste visiter tout ça, et puis après on va s'arrêter. Ah, Link, à ce moment, je suis en pleine fabrication de canne à pêche, juste pour toi, Link. Il ne me reste plus qu'à la peindre. Je suis sûr que tu n'en peux plus l'attendre. Ah, j'aimerais bien voir ça, ouais. Non, 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 je suis pas là. Il ne me reste plus qu'une couche de peinture à mettre. Alors, je pense la finir aujourd'hui. Mais mon père veut la vérifier quand elle sera finie. Et elle est très stricte. Mon père... En... Il est très strict, mon père. En tout cas, c'est sur ce genre de, oui, ce genre de truc. Oh, bonsoir, Link. C'est un beau coucher de soleil, tu ne trouves pas? Tu es vraiment gentil de passer autant de temps avec mon mari. Ça me donne un peu de temps pour moi. Merci. Oh, tu vas encore travailler à la bergerie? Ah bah oui, hein. Ah, Link, tu tombes bien. J'ai oublié de te dire. Colin, ou Colin, Colin, c'est mieux. Colin est en train de fabriquer une canne à pêche pour que vous puissiez aller pêcher ensemble. Il se donne beaucoup de mal. Je pense qu'il aura fini aujourd'hui. Tu n'as qu'à passer chez nous demain. D'accord. On va aller tout simplement voir ici. My out, Colin. Cette porte est fermée à clé. D'accord. Ah oui, regardez bien. Alors là, je m'en souviens de ça. Regardez bien. Je vais y arriver. Ah, regardez bien. Vous avez vu? Attendez. Voilà, vous voyez? Ça, c'était un rubis spécial. Donc en fait, au cas où les rubis comme ça, je les récupérerai. Parce qu'en fait, il y a des rubis qui régénèrent, qui se repop. Par exemple, les rubis qui est dessous, dans les genres de citrouilles, ça repop. Donc ça, je vais pas pouvoir le faire à 100%. Mais par exemple, ça, après, ça disparaît. Donc ça, je suis obligé de les récupérer pour le 100%, par exemple. Donc ok. Mais écoutez, on aura visité un peu tout le village. Attendez, c'est qui ça? Fad. Cette porte est fermée à clé, d'accord, on peut pas y entrer. Mais écoutez, on va s'arrêter là, vous savez quoi? On aura exploré pas mal du village, hein. On aura exploré pas mal du village. Voilà. Écoutez. Oh, c'est toi, Link. Tu vas aider Fad, alors. Merci beaucoup. Il est déjà parti à la bergerie. Vas-y à cheval, ça ira plus vite. Et si tu ne te dépêches pas, le soleil il sera couché avant que tu ne sois là-haut. Bref, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. D'ici la porte ouverte, bientôt tout le monde. Oui, non, attendez, attendez, je suis désolé. Comment s'appelle? Me revoilà, oui. Donc en fait, j'allais terminer l'épisode en fait, tout simplement. Voilà, me revoilà. Monte Rarity et file à la bergerie. Fad, t'attends, d'accord. Montre Rarity et file à la bergerie. Fad, t'attends, d'accord. Bah écoutez, les amis, on filera à la bergerie dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. On lira tout simplement le panneau. Bah écoutez. On va lire ce panneau là déjà. Et puis on lira les autres panneaux tout bah, la prochaine fois. Bodan, chef du village. Donc on lira l'autre panneau bah, dans la prochaine vidéo. Je vais tout simplement m'arrêter là-bas parce que je préfère m'arrêter sur une belle. Voilà. Alors, je vais m'arrêter au début du village. Voilà. Pour éviter de me sentir forever alone. Voilà. Pour éviter d'être forever alone. Je préfère largement mettre avec des gens. Attendez. On va reculer. Recule, recule, recule. Gare, gare, gare. Oh putain, c'est insupportable quand c'est chiant. Voilà. Parfait. Voilà. Comme ça, moi, j'ai envie d'être forever alone. J'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci de l'avoir regardé. Et on se dit... Et on se dit très vite pour de prochaines vidéos. C'était Renty Shy. Et laissez la porter ou bien. Ciao tout le monde. Et peace. Thank you.